toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire les astroguidances, donc les énergies signe par signe pour le mois de janvier 2024. Donc oui, je réenregistre cette petite intro parce que j'avais dit 2023 dans l'intro précédente. C'est pas grave, je voulais dire 2024, d'accord. Donc l'erreur est corrigée. Voilà, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Je ne peux pas connecter tout le monde, donc c'est normal. Gardez votre bon discernement. Prenez les messages qui vous parlent, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs, les modalités pour réserver une guidance personnalisée avec moi. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre signe en Vénus selon vos placements pour peut-être avoir des messages supplémentaires. Mais bon, voilà, la guidance personnalisée, c'est toujours plus en adéquation avec les questions que vous pouvez vous poser, hein, clairement. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci, merci, merci d'être présent sur la chaîne. Merci de faire grandir cette magnifique communauté bienveillante. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous. Et sans plus attendre, on passe à vos astro-guidances pour le mois de janvier 2024. Et le prochain signe que nous allons faire, ce sont les Capricornes. Bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez les Capricornes, on va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous au mois de janvier 2024. Et pendant que je bats les cartes, dites-moi comment ça se passe pour vous, comment vous allez, comment s'est passé votre mois de décembre. Est-ce que vous avez eu un bon réveillon de Noël? Allez, Wandering Star Tarot pour les Capricornes. Oups, non. Pour le mois de janvier 2024. Capricorne, janvier 2024. Wandering Star Tarot, hop, oulala, des hauts, des bas, du conflit, peut-être des pertes aussi, donc attention, parce que vraiment c'est conflictuel, c'est tendu, voilà. En tout cas, on ne vous veut pas que du bien, là, hein. Bon, mois de janvier, un peu dans le conflit. Il y a peut-être même ouais, des difficultés, des pertes aussi. Allez, trois cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir hein, de quoi ça nous parle, ces conflits. Les Capricornes. Il y a de l'adversité de toute façon là, hein, dans ce mois. Ce mois de janvier, là, pour vous, c'est de l'adversité, les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, donc, j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, malgré tout, la roue tourne, hein, c'est positif, mais dès que vous réussissez à régler quelque chose, ben, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui vous met des bâtons dans les roues, il va falloir trancher, vous y arriverez. Vous y arriverez, ça nécessitera même peut-être une intervention légale, juridique, mais vous allez y arriver. En tout cas, voilà, vous aurez un mois un peu compliqué. Alors, peut-être administrativement, peut-être voilà, hein, peut-être des difficultés aussi avec des collègues. Hein, bon. On va dire que vous... Enfin, voilà, vu comment cette carte est aspectée, vous n'êtes pas aidé. Alors, peut-être qu'effectivement, vous attendez que la roue tourne et c'est ralenti, tout simplement. Il y a encore des problèmes à gérer. On va regarder avec l'oracle céleste, hein, si on a des infos complémentaires
pour vous, les Capricornes. Bah oui, il y a une certaine morosité, vous êtes un peu fataliste, vous trouvez que c'est un peu sévère, là, tout ce qui vous arrive. Alors, vous allez avoir besoin de dépasser les choses, de dépasser un peu, même d'atteindre un certain potentiel. Ouais, il y a des choses que vous, enfin, que vous aurez besoin vraiment de dépasser, quoi. Il y aura de la bagarre, hein, je vous le cache pas. Alors peut-être que vous souhaitez aussi vous éloigner, aller vers des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, vous êtes attiré par quelque chose d'étranger. Alors, est-ce que c'est partir à l'étranger ou est-ce que c'est d'autres personnes? Par exemple, un autre travail avec des collègues que vous ne connaissez pas, un déménagement dans une ville que vous ne connaissez pas, il va falloir gérer des problèmes administratifs légaux. Alors, ok. Pour atteindre vos objectifs, on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez tout de même avancer. Donc, il y aura de l'adversité. Il va falloir vous battre. Ok. Allez, on passe tout de suite au 77 d'Aliaske pour voir hein, les énergies générales qui viennent vers vous en janvier 2024, les Capricornes. Allez, c'est parti. Capricorne, janvier 2024. Énergie générale avec les 77 d'Aliaske. Hop. De quoi ça nous parle? Bah, ça nous parle du printemps, ça nous parle d'un renouveau avec une personne, une énergie masculine. Mettez ça dans votre contexte. Vous souhaitez un renouveau avec une énergie masculine, un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle orientation pour un épanouissement. Tirage en 9 cartes. On va faire un tableau en 9 cartes. Donc, dites-moi comment ça vous parle, là, les Capricornes. Pour celles et ceux à qui ça parle. Il y en a deux qui veulent venir, donc je les prends. Voilà. Tirage en 9 cartes. Alors, le dodec, c'est un nouveau chemin, okay, une nouvelle direction que vous allez prendre. Ça a peut-être été bloqué pendant un moment, vous inquiétez pas, ça va réavancer. On a vu qu'il y avait la roue des poissons qui était un peu contrariée avec la sorcière. Il y a une grosse réflexion hein, qui se pose, alors ça peut-être concernant un déménagement. En tout cas, ça peut être une grosse réflexion qui se pose aussi sur vous-même, votre intérieur, votre confiance en vous. Vous aurez des éclairages, d'accord? Vous aurez des éclairages, donc pas d'inquiétude. D'ici 3 mois, il y a cette élévation, ça va être vécu comme un cadeau. Alors, quand je montre 3 mois, quand je dis 3 mois, c'est pour le collectif. Au niveau des temporalités, elles sont différentes pour chacun. Donc, bah, en fait, quand vous venez en guidance personnalisée, on les calcule, on les regarde. Moi, je les regarde aussi avec ma médiumnité. Donc, je vous donne hein, des vibrations, des moments, d'accord? Donc, les 3 mois, mettez ça en collectif, d'accord? Ça peut vous correspondre ou pas. Alors, il y a un souhait de... en fait... Il y a un souhait de zénitude chez vous. Il y a une zénitude aussi qui arrive. Le fait de couper des liens, ça va vous permettre de récolter, de retrouver un équilibre et surtout du repos, du lâcher prise. Il y a une situation matérielle favorable qui arrive pour peu qu'il y ait un éloignement aussi. Avec des opportunités et des nouveaux départs, un nouveau départ, un nouveau projet. Il y a une opportunité pour un nouveau projet. Donc, j'ai l'impression que vous allez couper des liens hein, avec le passé parce que, bah ouais, il y a quand même de l'adversité. Il y a du conflit, il y a peut-être eu même des pertes. Et vous cherchez cet équilibre. Et j'ai l'impression que ça fait un moment que vous vous battez, là, les Capricornes. Là, dites-moi en commentaire. Il y a le souhait, pour certains aussi, hein, de lâcher prise, de vous reposer.
Certaines Capricornes, pour certaines, il y a peut-être un souhait aussi de tomber enceinte. Alors, il y a une potentialité hein, pour celles qui le souhaitent, si vous vous éloignez d'une situation voilà, un peu conflictuelle, un peu tendue, ça va nécessiter vraiment un départ. Donc, on voit que vous coupez quelque chose, vous vous libérez de quelque chose pour récolter, pour un meilleur équilibre. Pour certains, il y a une décision de justice qui va vous permettre de vous libérer. Alors, une décision de justice ou une décision légale, une décision administrative, hein, mettez ça dans votre contexte, qui va vous permettre de vous reposer, qui va vous apporter une certaine somme d'argent pour que vous soyez serein, sereine, pour que vous puissiez vous éloigner ou psychologiquement ou matériellement d'une situation. Et suite à ça, il y aura des opportunités avec un nouveau chemin, un nouveau départ et des nouveaux projets. Donc, le fait de couper ces liens, ça va vous zénifier, ça va vous permettre d'avancer dans de nouveaux projets. Je recouvre rien. Parce que c'est magnifique. Alors, peut-être le fait de couper des liens, mais avec quoi vous coupez des liens? Allez, dites-moi en commentaire si vous le savez. Mais d'ici janvier, ça va commencer un peu. Alors, ça va peut-être s'étaler sur 3 mois. Ouais, il y aura des célébrations. Donc, on ne dit pas... voilà, de quoi on dit, bah, vous allez célébrer le fait de couper ces liens-là, le fait de vous libérer de quelque chose. Eh bien, c'est vachement positif, les Capricornes. Allez, dites-moi comment ça vous parle en commentaire. On passe tout de suite au Guided Reveries. Pour les Capricornes qui n'auraient pas eu leur message, peut-être des compléments d'information, qui sait. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2024, quels sont les messages, les énergies générales de janvier 2024 pour nos amis Capricorne. Allez, c'est parti. Tac. On voit qu'il y a du stress. Vous êtes stressé ou c'est comme si on vous mangeait la laine sur le dos. On essaye de vous grignoter un peu votre beefsteak là. Alors, on voit des projets. Hein. Vous avez des projets. Il y a des opportunités pour des projets, des offres hein, pour un nouveau départ, un nouveau projet. On va regarder. C'est une offre positive, en tout cas. Il y a peut-être un amour secret caché aussi, hein, pour certains. Allez. Tac. On va faire un tableau en 9 cartes pour le général, pour vous, mes amis Capricorne. Pour le mois de janvier 2024 avec les Guilded Reveries. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Hop. On parle de liens cachés. Alors, il y a peut-être des choses aussi un peu malsaines par rapport à des liens cachés. Et une réflexion hein, pour officialiser tout ça. Avec des éclairages hein, sur une officialisation et avec du changement. Ok, mais ça va prendre du temps. Alors. Les Capricornes, mois de janvier 2024. Hop, hop, hop. Alors. Il y a des communications qui arrivent concernant des rencontres qui ont été peut-être tendues à l'extérieur, d'accord? Il y a une opportunité pour... Alors, il y a des solutions qui vont vous apporter une certaine abondance. On voit que il y a quelqu'un qui se positionne comme un ami, une amie avec qui ça peut être tendu, mais en tout cas, il y a ça communique. Il y a peut-être une proposition qui arrive avec des... Solution, ça va vous permettre de couper, ça va vous permettre de trancher, ça va vous permettre de récolter et surtout d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, d'aller vers un espoir. Donc, il y a des rencontres à l'extérieur qui vous apportent des opportunités pour accéder à un rêve quelque part, hein, des solutions qui arrivent avec des communications. Donc, ça va être officiel hein, pour pouvoir accéder à ce rêve. Ça va vous demander de couper quelque chose, de vous libérer de quelque chose, mais de récolter. Il y a une certaine abondance qui arrive. Vous avez du soutien dans la situation malgré les tensions hein, relationnelles. Donc, il y a des petites tensions relationnelles quand même.
Alors, pour certains, il y a des tensions et vous allez couper. C'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. D'accord? Alors, mettez ça dans votre contexte. Ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental. Hein. Moi, j'ai pas l'info. Parce que c'est pour le collectif. Il y a des rendez-vous à l'extérieur qui vont vous apporter des solutions pour avoir de l'abondance. OK? Avec des propositions que vous attendiez pour saisir quelque chose, mais ça va vous nécessiter de couper, peut-être couper avec des amis avec qui c'était tendu aussi, ou couper avec des gens qui vous soutenaient, mais avec qui c'était tendu ces derniers temps. Alors, on va regarder, on va prendre plus d'informations. Oui, vous coupez avec une certaine stabilité, mais c'était tendu dans cette stabilité, c'était des rapports tendus en fait. Il y a quelqu'un qui vous soutient hein, dans ce projet. Il y a toute une période de tension qui se termine, peut-être avec des amis ou des gens qui vous soutenaient, mais avec qui c'était quand même pas facile. Il y a de l'abondance qui revient. Ça revient pour vous, ça revient chez vous. Ok. Donc, des très, très jolis messages avec le Gilded Reveries, les Capricornes. Dites-moi comment ça vous parle pour celles et ceux à qui ça parle. En tout cas, ouais, il y a eu de l'adversité. Hein. Ça n'a pas été facile. Facile. On passe au tirage relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis Capricornes. Allez, on est reparti sur les miroirs. J'aime bien les miroirs. Allez, pour les Capricornes, tirage sentimental, relationnel, pour le mois de janvier 2024. Capricorne. Eh bien, alors, des projets de partir loin, peut-être en voyage, peut-être déménager loin. Prendre de la distance, ok. Pour d'autres, des projets de grossesse, mais il va falloir prendre de la distance. Il y a une opportunité pour réussir. Ok, vous aurez la victoire. Il y a des opportunités à saisir pour avoir la victoire. Alors, peut-être sur le fait de tomber enceinte pour certains Capricornes, pour d'autres, de prendre de la distance, d'avoir des nouveaux projets ailleurs, peut-être à l'étranger. On va faire un tirage en croix. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Capricorne. Donc, vous avez la victoire. Il y a des contrats, des signatures qui arrivent, des accords concernant un déménagement ou une maison. Attention, ça va générer de la jalousie. Donc, alors, vous emménagez peut-être avec votre chère et tendre. Hein, il y a peut-être, vous changez peut-être de lieu d'habitation parce que vous tombez enceinte, donc et peut-être que vous partez dans une autre région. Dites-le moi en commentaire, hein, mes amis Capricorne. Alors, ça va se faire sur du retard. Ok. Alors, vous le savez, vous le ressentez de toute façon, hein, que les choses changent. Vous êtes soutenu par vos amis et effectivement, j'ai l'impression que bah, y a une petite famille qui pourrait s'agrandir. Donc, il y a peut-être une histoire de grossesse avec certains Capricornes. Sur du retard. Pour d'autres, vous êtes soutenu par votre famille dans vos projets de départ à l'étranger ou dans une autre région. Vous êtes soutenu par vos amis. Ça va se faire sur du retard, mais vous le savez. Vous restez tranquille, serein. Alors, pour d'autres, hein, y a une belle rencontre. Et j'ai l'impression que... alors, il y a une belle rencontre charnelle hein, pour certains. Alors, peut-être que certains Capricornes vont se mettre en couple avec un ami, une amie, ok. Pour d'autres, vous aurez la victoire sur un verdict, d'accord, concernant la famille qui n'était peut-être pas d'accord avec votre vie, ok. Donc, en tout cas, vous allez être soutenu par vos amis, mes amis. Donc, pas mal de messages pour les Capricornes. Prenez vraiment ce qui vous parle et dites-moi en commentaire quel message vous parle. Voilà. On va passer tout de suite à la conclusion avec le Béline. Pour vous, les Capricornes, pour le mois de janvier 2024. Allez, Béline Capricorne, pour le mois de janvier 2024. C'est parti. «
pour les Capricornes pour le mois de janvier 2024. Voilà. Conclusion du Bélier. Alors peut-être des messages pour les Capricornes qui n'auraient pas encore eu leur message. Bon, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, c'était bloqué, et ça se dégage. S'il y a eu des abus de confiance et des petits abus de confiance, il y a cette carte bleue qui vous protège. Ok, en tout cas, ça s'ouvre hein, pour vous. Ok, allez, hop. Tirage en croix pour vous, mes amis. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Pour le mois de janvier 2024. La conclusion du Bélier ou des messages hein, pour ceux qui n'auraient, celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message. Donc, un abus de confiance que vous avez découvert qui a généré de l'inconstance chez vous, peut-être en amour, ok. Et depuis, ben, vous n'êtes pas très bien, il y a les larmes au bord des yeux. Vous avez l'impression qu'effectivement, vous avez été un peu pris au piège. Il y a une reconstruction qui va se faire et un apprentissage concernant quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. Donc, il y a besoin de se reconstruire. La reconstruction va être lente. Il y a le retour d'une situation sur du retard. Donc, il y a une reconstruction et un renouveau qui se fait sur du retard. Pour d'autres, il y a le retour d'une personne qui vous a créé des abus de confiance et qui vous a un peu entamé, même psychologiquement. Donc, attention, parce que effectivement, si cette personne commence à revenir quand vous êtes en train de vous reconstruire doucement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Alors, je vais recourir certaines cartes. Ouais, soyez sage, structurez les choses, prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous reconstruire, prenez votre temps pour vous reconstruire sur des bases solides. Vous avez un apprentissage qui est fait. Pour d'autres, vous attendez des papiers concernant un héritage. Les choses vont se faire doucement, vont se faire voilà, de manière structurée, mais très, très doucement. C'était bloqué, ça se débloque. En tout cas, la reconstruction sera faite, mais tranquillement. D'accord ? Tranquillement. Ça... Pas de précipitation, hein, d'accord. Il y a un renouveau qui se fait dans la douceur, hein, je vais le dire comme ça. Ok, donc dites-moi les Capricornes, comment ça vous parle, cette conclusion du Bélier. On termine avec une carte du Starseed Oracle. Pour le message à méditer pour le mois de janvier 2024. Allez, Capricorne. Capricorne, janvier 2024. Capricorne, janvier 2024. Allez, c'est parti. Les frères étoiles, une énergie Taurus de protection, de loyauté, de sécurité. Ayez confiance, les Capricornes. Ayez confiance. Magnifique message du Starseed. J'espère que ça vous a plu, les Capricornes. C'était vos énergies du mois de janvier 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, mes amis Capricornes.